Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous montre comment faire le Big Mac maison, meilleur que l'original. N'oublie pas de t'abonner, de liker et d'activer la cloche des notifications pour les prochaines vidéos. Merci. Il nous faudra deux steaks de 110 grammes directement du boucher. Ensuite, de la salade, des oignons coupés en rondelles, des cornichons, un peu bun si vous trouvez la recette en haut à droite, du cheddar et des sauces pour faire notre sauce Big Mac. Dans une coupelle, je mets 2 cuillères à soupe de mayonnaise américaine. Ensuite, 1 cuillère à soupe de moutarde américaine. Puis 1 cuillère à soupe de ketchup. Une cuillère à soupe de relish aux oignons. Et 1 cuillère à café de sauce pimentée. On mélange. Et notre recette sauce Big Mac est prête. On la met de côté pour plus tard. Ensuite, dans une poêle, je fais fondre une noix de beurre, ensuite j'y dépose mon pain Buns coupé en trois. Lorsque le pain est doré, on le réserve pour plus tard. Ensuite, je fais cuire mes deux steaks que j'aurai façonnés. J'assaisonne avec un peu de poivre et un peu de sel. À mi-cuisson, on les retourne. Une fois cuits, on les réserve. Je prends mon buns parti du bas, j'y applique ma sauce maison. J'ajoute des rondelles d'oignon, de la salade. Une tranche de cheddar. Je dépose un steak. Ensuite, je prends le buns du milieu. Je mets de la sauce. De la salade. Des cornichons. Je dépose mon steak. On dépose notre bun sur le premier. Et on y dépose notre dernier bun. La recette est terminée. J'espère que vous aura plu. Je vous souhaite bon appétit. Likez, partagez et abonnez-vous.
Et dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cette recette et quel autre burger vous voulez que je fasse. Avant de partir, clique sur le logo pour t'abonner, ça me ferait plaisir.